橄榄大爷的美食地图集中在他生活的第七区。首先从法国人最爱的奶酪开始。Bon, écoute, Da, je te propose de poursuivre notre petit tour, découvrir cette fromagerie, la fromagerie Quentin. Elle fournit en fromage des chefs étoilés. C'est un bel endroit pour découvrir le fromage. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Bien. Bien, on vient découvrir votre maison. Bien. Je parlais de la maison Quentin. Oui. Donc, c'est une maison qui a une longue tradition. Monsieur Christian Quentin a créé sa boutique en 1950, donc rue de Lourmel, comme vous le savez. Et puis, Madame Quentin continuait ce que faisait son papa. Plus tard, elle a créé également sa boutique ici. Donc, ce qui veut dire que vous avez une variété de combien de fromages? Ça dépend. On peut être entre 250 et 300 par période. C'est... Quand il y a eu l'année en France, en Chine, quand ça s'est terminé sur la Grande Muraille, on a emmené des fromages là-bas. Ah, d'accord. On a fait déguster à nos amis chinois. D'accord. On était le fromager de clôture de la France en Chine, sur la Grande Muraille. Ah, ben, belle histoire. Voilà. 选好奶酪，我们前往第二站，去挑选法国人的国民饮料红酒。Bonjour Olivier. Bonjour Paul. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien.Je viens avec mon ami Da. Bonjour Da, enchanté. Ce soir, j'invite Da et des amis à dîner à la maison. D'accord. Alors Da, je crois qu'on a une côte de bœuf. Je vais faire une ratatouille maison, évidemment. Et puis accompagnée d'une sauce au... Au poire. Au poire. Qu'est-ce que là pourriez nous préconiser, là, Paul? Donc voilà, le gros dermis, le fameux Crayo qui ira en plus parfaitement avec la ratatouille. Uh-huh. Parce qu'en fait, il y a le côté mourvèdre et grenache qui vont rappeler un petit peu de côté fruité. D'accord. Et donc ce côté fruit confit plus épice avec la syrah va vraiment... Exhaler au maximum, d'accord. Alors c'est là où nous allons... Donc là, le premier nez. Le premier nez. Et alors, qu'est-ce qu'il vous évoque Là, on a des notes de fruits rouges un petit peu. Oui. Et là, voilà, on sait bien de l'aérer un petit peu comme je viens de l'ouvrir. Ça vous plaît? Ah, c'est vraiment très intéressant à découvrir, ça me plaît beaucoup, oui.